Tu peux voir la vidéo dont tu m'as parlé là. Bon, elle est là, chacun. Je l'ai déjà vu celle-là. Archi bonne cette meuf. Eh gros, c'est une salope. Eh Lisa, s'il te plaît, viens voir là, viens voir. Lisa, c'est bon. Avance un peu, avance. Montre maman où je ferme sur les seins. Vas-y. Wouah, la dinguerie. Tu kiffes ça, Lisa. Les grosses bites comme ça là. Vas-y, arrêtez s'il vous plaît, c'est dégueulasse. Putain, c'est un truc de ouf. C'est dégueulasse, vous me détectez. Oh, c'est bon, vas-y, détends-toi là. Oh Inès, il a bon goût le sperme de Bastien ou pas? T'es lourd, Albert. Bon, ta gueule, je parle à Inès. Non, mais t'es lourd. Merci. Eh oh, il est bon le sperme de Bastien ou pas? Il est quoi? Ta gueule, Albert. Vas-y, réponds. Il est pimenté, acidulé. Vas-y, Inès, lui réponds même pas, ça sert à rien. Mais si, vas-y, réponds-moi, s'il te plaît. T'es inutile. Bon, tu sais quoi, va avec ta copine. Je croyais vraiment que le lycée, ça allait être une époque magnifique. Je m'imaginais genre cool, en train de vivre une grande histoire d'amour. Mais en vrai, ma vie est nulle. Pas nulle en mode tragique, nulle genre sans intérêt. Puis je suis vraiment entourée de putains de cassos. À demain. C'est une journée de moins avant la fin du lycée. Que 944 jours. Super. Canon. Mais Manta. On pourrait dans les dieux du stade, je vous promets, sans délire. Ça change tout, quoi. Ouais, c'est si beau. Ça. Mais il se passe quoi, en fait? Ben, regarde. Mais où? Diego s'est coupé les cheveux. Et maintenant, il est magnifique. Il est magnifique. Oh, bordel.